Arnaud, comment ça va ce matin? Bah, ça va, hein, voilà, on s'attend à un gros merdier, donc on est prêt. Ça vous fait plaisir de voir un Paris-Roubaix sous la pluie comme ça ou vous préférez sec? Bah non, je pense que ça ne fait pas plaisir à de nombreux coureurs. Hein. On sait que ça augmente forcément la dangerosité qu'il pourrait y avoir. Mais maintenant, voilà, c'est comme ça. Il va y avoir un sacré spectacle. Je pense qu'au niveau, visibilité, audience, ça va être grandiose. Comment s'organiser justement quand c'est comme ça? Ça change la façon dont on aborde la course? Oui. Là, on part. On ne sait pas comment on sera ce soir. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais voilà, une chose est sûre, c'est que le premier secteur, ça va être très très important. Et puis surtout, voilà, je pensais qu'il y aurait eu plus de vent que ça, mais hier j'avais dit qu'on n'arriverait peut-être pas à 180 au premier secteur. Peut-être que finalement ça va changer. Est-ce que c'est possible d'anticiper pour éviter toutes les chutes, toute la nervosité? Est-ce que c'est possible d'anticiper ou est-ce que maintenant c'est tellement full gaz de kilomètre zéro jusqu'à la fin que c'est impossible? C'est difficile, ça roule tellement vite que c'est difficile à s'extirper et puis prendre un peu d'avance. Maintenant, voilà, s'il y a une occasion, forcément on va essayer d'y aller. Merci.